Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Pro Cycling Manager. Donc faut juste que je modifie le titre. Yo Erwan, la forme. Désolé, je dois modifier le titre, il y a plein de petits soucis. Attends, désolé parce que je dois changer le titre, mais vu que je suis connecté à l'autre compte, c'est compliqué. Merci pour le like, Ron. Désolé, je peux pas changer le titre. Je peux pas changer le titre, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du FIFA ou on fait du Pro Cycling Manager avec le titre Live FIFA? Qu'est-ce que je fais, Juan? Je fais du FIFA ou du Pro Cycling Manager, sachant que je peux pas modifier le titre? Donc on va commencer. On va faire une course simple. On va faire que de la montagne. Donc on va faire toutes les étapes de montagne. Toutes celles qui sont que en rouge.
Albertville. Et quand même, on va prendre les Champs-Élysées. Et quelle équipe on pourrait prendre? Ouais, coucou. Je prends quelle équipe, Erwan? Dis-moi quelle équipe je prends. T'as le choix entre AG2R, même si j'aimerais pas trop. Astana, Bahrain Merida, De Koenig, j'aimerais. La Groupama FDJ, la Jumbo Visma, la Ineos, la Movistar. La CCC? Oh là là. Mais vous, dans votre équipe, vous avez même pas de grimpeur. 73 de montagne, c'est la meilleure note. T'as vu, c'est bon, je te fais plaisir, on prend la CCC même si j'ai pas envie. Donc on va jouer la planche des belles filles. T'es encore là, Erwan? Powels, Geschke et Char, oui, mais c'est vous avez la note maximum, c'est 73. De Marquis, je crois que je l'ai pris. Va voir. Voilà les grimpeurs. Il y a Roscopoff, Zeudel, De la part de Marquis, Powels, Geschke, Tendam et Antunes. Il n'y a pas Char parce que c'est pas un gros sprint. C'est pas. Il a moins de 70. Ouais, Roscopoff dans l'échappée. Roscop. Ouh, il laisse pas partir Roscop. Mais moi, Modo. Ah ouais, vas-y. Vas-y, écris un message juste, s'il te plaît. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti, l'échappée. Écris un message dans le chat, s'il te plaît, Ron. On va finir en défaillance. Écris un message, s'il te plaît, Aurore. N'importe quoi, écrit. Wow, ok. C'est bon, ça marche. T'es modo. On est modo, je veux dire. Et Aurore, avec le compte Aurore et Anthony Set Sky, je me suis abonné à Abarto et Mad Gaming parce qu'ils allaient s'abonner à notre chaîne. Donc, on s'est abo. Je me suis abo, je veux dire. Tu vois, par exemple, si c'est pour que les autres ils s'abonnent, t'as pas besoin de demander, tu peux t'abonner quand même. Kreuziger devant qui vient prendre les points. Mais non. Tout à l'heure, tu lèves vers quelle heure? Roscopov distancé. Tu lèves vers quelle heure, Aaron? Et Hiroscopov va aller prendre les bidons. Tu lèves vers quelle heure, Aaron, s'il te plaît? Pour que je sache. Que je vienne sur le live. Je viens sur le live.
Tu live à quelle heure, Ewan? Peut-être 14. Ok. J'essaie d'être là. Et là, ça va faire du mal. Pour Antunes. C'est sûr, je live à 17h? Ah bon, pourquoi? Pourquoi c'est sûr? Roscopa va faillir te lâcher. Oh là là. Quel coup de force. Oula, Tamdam aussi lâché. Lorenzen Dam lâché. Pourquoi c'est sûr, Erwan? Gage que aussi. Avant le TDF? Ouais, mais le TDF, ça commence à 17. Donc, et la moitié de la CCC est en difficulté. Il remonte. Oh là là. Quel boulot de Laurent Stendam. Incroyable. C'est Demarquis qui va aller prendre les bidons. Victor de la partie. Victor de la partie en difficulté. Victor de la partie en difficulté. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait mal cette ascension? Là, c'est en grosse difficulté. La formation des Rouen en difficulté. Oh là là. Et voilà, et nous, on est resté avec des marquis. Pour l'instant, on est les rescapés. Là, on va essayer de un peu pas se relever. Oui, un peu, on va essayer d'un peu se relever. Non, 54, on tient pas. On va se placer dans la roue. Ouais, on va se mettre dans la roue de Castro Viejo. On va aller se placer à 75. Search for else. Ouh. Erwan, tu veux que je joue le classement général avec qui? Avec Alejandro de Marquis ou Ricardo Zeidel? Moi, je préférerais des Marquis, mais bon. J'ai quand même une petite préférence pour des Marquis, mais c'est toi qui choisis. Dis-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Deux marquis larges, ok. Moi aussi, je préférais deux marquis, mais bon. Et on va peut-être ramener Gianni Moscone. Ça serait une mauvaise idée. Non, très mauvaise idée. Viens. Là. Et là, deux marquis. Ça se cherche pour de nous ramener. Et là, on commence à être un peu en difficulté. Et là, c'est Wilco Kelderman. Wilco Kelderman en difficulté. Wilco Kelderman qui lâche. Wilco Kelderman qui lâche à son tour. Ouh, qu'est-ce qu'elle fait mal cette ascension. Même au CCC, elle fait mal. Qu'est-ce qu'elle fait mal cette ascension. C'est bon, on l'a bien intégré. Voilà, on est rentré dans la route Casper Asgreen, Garen Thomas. Voilà, qu'on récupère vachement d'énergie. Non, ne roule pas, ne roule pas, il y a Gianni Moscone. Il a fumé lui. Ah oui, mais il relaye un moment. Mettre à prendre le gel comme à Serge Powels. Il va falloir quand même qu'on remonte un peu. Primoz Roglic. On est dans la roue de Primoz Roglic.
Et c'est qui derrière qui est en difficulté? C'est Woodpulse. Woodpulse qui va lâcher à son tour. Comme Robert Racing. Serge Pouwels qui nous fait un énorme boulot. Qui tente de nous ramener. Qu'est-ce que c'est incroyable. C'est Peyo Bilbao. Peyo Bilbao qui va lâcher à son tour. Le rythme imposé par Rudy Mollard est trop compliqué pour certains coureurs qui lâchent. Hendrik Maas qui est un peu en train de décrocher. Et on s'est placé dans la roue de Froome, de Thomas. Et on va peut-être rouler. Et là, c'est Rudy Mollard devant qui est en train de rouler. Il fait un énorme boulot. Et c'est Søren Krag Andersen, Domenico Pozzovivo et Rui Costa qui lâchent. Tout comme Daryl Impey, Dario Cataldo et Thomas De Rendt. Wilco Kelderman en grosse difficulté. Quintana, Nairo Quintana qui est très très loin. Et dans le groupe Virmo. Dunbar aussi lâché. Geschke, il y a Simon Geschke. Peut-être là, faut peut-être les mettre à rouler à 77, ça peut être intéressant. Et maintenant, c'est la CCC qui impose un énorme rythme devant. Ouais, peut-être. Ouais. C'est Roman Kreuziger qui est derrière. C'est Peyo Bilbao là qui va lâcher. Le prochain qui lâche, c'est Peyo Bilbao. Je pense. Ou Castroviro. Et c'est peut-être là maintenant que ça va lâcher. Ouais, ça lâche maintenant. Peyo Bilbao et Jonathan Castroviro en difficulté. Et là maintenant, faut accélérer. Avec la CCC, Sprandi Polkovice. Ouh là là. Et là, il y a Vincenzo Nibali, très bien emmené par Damien Caruso. Quand Rudy Mollard est un peu en difficulté. Et là, nous. C'est Woodpulse. Woodpulse qui va lâcher avec Dylan Teuns et Pierre Latour. André Amador lâché. Comme Hendrik Maas. Hendrik Maas, Julien Bernard et Robert Racing qui lâchent. Matej Moric qui lâche à son tour. Geschke, bah ouais. Logique. Ah ben là si on peut on va même se mettre à 36 ou nous on est à 36 en effort curseur. Christopher Froome, très bien emmené. Non, il est pas bien emmené, mais bon. Et c'est Marc Soler qui a lâché avec Michael Schérel. Et c'est Marc Soler qui fait le boulot pour Michael Schérel. Il fait la descente à bloc, Marc Soler. Oh, la descente qu'il nous fait, Marc Soler. Allez, on a assez récupéré, je pense. C'est-à-dire quoi, TDF Crétarium? C'est quoi ce truc? Moi, je suis allé sur le TDF, j'ai fait sélectionner des étapes et j'ai choisi des étapes. J'ai choisi toutes les étapes de montagne. Là, maintenant, c'est à Serge Pouwels de venir rouler. Serge Pouwels qui va venir aborder la planche des belles filles. Il aborde la planche des belles filles. Ouh! Michael Schérel qui a poussé Alejandro De Marquis. Ok, bah ouais. Est-ce que l'entendrait pas un gros coup de force avec Ricardo Zeudel et De Marquis suré. Et pour certains coureurs, ils sont en train de se lever sur la selle. Ils se lèvent sur la selle. Yo Angel, ouais, ça va, et toi? La forme? Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout.
Angèle, j'ai un pote qui s'appelle Moonlight Erwan, qui s'est abonné à Barto. Et est-ce que Angèle, tu pourrais ou pas t'abonner à notre chaîne Erwan Anthony Set Sky qui est dans le chat? Est-ce qu'on n'aurait pas fait un beau coup? Est-ce qu'on n'aurait pas fait un gros coup d'accélération là? On aurait peut-être fait un coup d'accélération là. Ah non. Zoidal, il va appliquer la stratégie. Quand deux marquis vont en remettre une. Des marquis qui en remet une. C'est Christopher Froome qui vient faire le tempo à l'avant. Chris Froome qui vient rouler. Ça va être compliqué pour que deux marquis y tiennent. Il s'est fait rattraper, deux marquis. Et voilà, bon, on s'est fait distancer. On s'est fait distancer, ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Désolé, Juan, mais là, on va arrêter ce Tour de France. Oh là. Ouais, non, on va pas prendre la CCC Sprandi Polkovic. Désolé, Ron. Merci pour le like, Angèle. Oh, désolé, Ron, mais là, j'arrête ce Tour de France. On fait un vrai Tour de France. Faire TDF IRL. Non, pas IRL, mais un vrai Tour de France complet. Donc, Tour de France, on prend le 2019. Et on prend quelle équipe? On prend la Jumbo-Visma. Avec Montagne, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Laurens De Plus et Georges Bennett. Qui va être épaulé de Tony Martin et de Robert Racing, qu'on va voir. C'est Dylan Groenewegen qui va être emmené par Wout Van Aert où il va avoir Mike Tennyson, donc et on va enlever Robert Racing. Parce que il fallait que je me connecte avec un autre compte, on devait mettre ouais à plus Sam. Mais on devait mettre plein de trucs, donc trop compliqué. Merci pour le petit like, Sam. Bah si, Erwan, parce que... Et de la CCC, on allait être dernier, donc c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. À plus, Sam. T'es encore là, Erwan, ou pas? Donc, pourquoi donc? Ça veut dire quoi donc? Je comprends pas. Qui donc? Pourquoi tu dis donc, Erwan? Non, rien. Ah. Attends, juste je me fais un truc, je reviens. George Bennett dans l'échappée. Attaquer avec George Bennett. Il faut
faut juste qu'on aille prendre des points, c'est juste ça notre objectif. Est-ce qu'on va revenir sur eux au moins? Est-ce qu'on va revenir sur eux? C'est la question qu'il faut se poser. On n'arrive même pas à revenir sur eux. Et George Bennett lâché. George Bennett qui est lâché. Re Erwan, tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui, Erwan, s'il te plaît? Dis-moi dans le chat ou par message. Si tu veux, tu peux me dire par message. C'est disputé le petit sprint. Donc on va mettre tous à 74. Ouais, tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui. T'es pas là? T'es où alors? T'es où Erwan en fait? Du coup, vu que t'es pas là. Donc t'es où Erwan si t'es pas là? Il est où Erwan? Il est où? Il est là Erwan, il est là. Tony Martin, George Bennett, pour Primoz Roglic. Et tu reviens quand en fait? Est-ce que par exemple cet après-midi t'es là? Cet après-midi, t'es là ou pas, Erwan? Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Juste mettre George Bennett. Est-ce que cet après-midi, t'es là ou pas, Erwan? Quel tempo imposé par Tony Martin. Ouh, mini cassure! Mini cassure! De 17 coureurs. Et Froome n'a pas été pris dans la cassure. Attendez, juste 2 secondes. Là maintenant, ça va être à George Bennett de prendre la poursuite en main. Tony Martin qui va se mettre derrière Groenewegen. Groenewegen. Faudrait qu'on rattrape l'échappée.
Allez, après moi, je reglisse de venir rouler. Le sprint est lancé. Catastrophe en sprint. C'est une catastrophe. Ouh là là, très gros secteur. Quelle stratégie est là? On va appliquer quelle stratégie? On va essayer d'aller prendre les points du grimpeur. Primoz Roglic est mort. Primoz Roglic n'a plus de barre jaune. Et Anthony Martin, non. Portage Primoz Roglic, oui, je veux bien. Non, arrête, George Bennett. La route de Jack Egg. Voilà, c'est bon. On va peut-être essayer de les prendre avec Steven Kruijswijk. Non, avec Wood Van Aert. Van Aert, il va être dans les échappées. J'aurais bien aimé le jouer avec George Bennett, mais bon, on peut pas. De toute façon, celui qui a les points ici va pas gagner. Il va pas avoir le maillot, donc ça sert un peu à rien. Bon, vous savez quoi, on va le prendre avec Lorenz de plus, les points si personne attaque. C'est Lorenz de plus qui va nous mettre en boulot. Et qui nous sert à... On va pas accélérer. Attendez juste 2 secondes, je vais...
Un pas accéléré. On va commencer à faire notre petit train. Il y a des lâchés et il y a une petite cassure ici. Il y a une petite cassure. Voilà, Tony Martin, faut qu'il prenne absolument la poursuite. C'est Patrick Conrad qui essaye de faire le boulot pour rentrer, il n'y arrive pas. Il a du mal. Ça va être à nous de venir rouler avec Tony Martin. C'est bon, nous on est rentré dans le peloton, mais c'est derrière qu'il y a des cassures en plus. Il y a encore une cassure ici. Ouh là là, le vent. Ouais, le vent. Le vent vient par là. Ouh là là. Le vent est de côté. Le vent est de côté. Attention. Donc là, ça va être... Ah. Non. Ah, ouais, tant mieux. Je vais se mettre... Oh, les bugs qu'il y a. George Bennett. Oh, les bugs qu'il y a. Je vais mettre à appliquer ta stratégie. Voilà, c'est bon. Tony Martin, tu vas te mettre dans la roue de Steven Kryzak. Et Lawrence de plus, pareil. Oh, attends, tu vas t'écarter à zéro. T'as même pas fait de boulot, t'en peux plus. Et là, maintenant, c'est Steven Kryzak qui va venir rouler. Ouh là là, quelle fin de course! C'est Charman qui fait le boulot. Ça fait mal, ça, quand même. Eh mince, là, va falloir qu'avec Tony Martin, il nous fasse un boulot énorme. Va falloir qu'il nous fasse un boulot, mais on va rien comprendre. Il faut juste qu'il s'accroche. Là, maintenant, c'est à Lawrence de plus de venir rouler. Et là, maintenant, c'est à Lawrence de plus qui va venir rouler. Steven Kryzak qui est décroché. Oh là là. Là, va pas falloir qu'on roule. Faut qu'on roule, mais très bas. Là, va falloir qu'on fasse un effort pour revenir. Mais Garen Thomas aussi a été pris. Tant pis, quitte à ce qu'on gagne pas le sprint. C'est bon, on va rentrer. On est rentré, c'est bien. Allez. Wout Van Aert. Wout Van Aert qui va bientôt lancer le qui va être bien qui va bientôt lancer. Qui va bientôt lancer. Il va bientôt lancer Mike Tonnissen pour Dylan Groenewegen. Quelle fin de course. Et je vous rappelle, sans monter et chute de Georges Bennett. Chute de Georges Bennett. C'est Fernando Gaviria qui va venir s'imposer. Est-ce qu'il repart? Ouais, c'est bon, il repart.
Coucou toutou. Je le banne. Au général, mais on est ah. Avec Tony Martin, avec Primoz Roglic, on est bien. Est-ce qu'on est bien ou pas avec notre ami Steven Kreijswijk? Je le vois pas. Ah, si, il est là, on est dans le même temps, 18 secondes, c'est bien. Le contre-la-montre, on va le simuler. Ouf, on est loin. On perd 11 secondes. Cette étape, on va la jouer avec Wout Van Aert. C'est Georges Bennett qu'on va mettre dans l'échappée. Je lui dois faire un truc. Donc, ah non. C'est de mettre qui doit échapper? Georges Bennett. Georges Bennett qui peut être intéressant pour le maillot à pois. Et c'est bon, on est rentré. Ah ben, on va rouler fort, nous. Oh là là, on roule pas donc. A pris 6 minutes. C'est bien 6 minutes en fait. C'est qui devant qui roule? C'est Aurélien Paré-Peintre. Avec Bonnard. Bah, c'est pas étonnant, Bonnard. Un des meilleurs en chrono. Ouais, maman, il n'y a que moi qui roule. Allez, sors à vitailler. Victoire de l'aparté pour la CCC Prandi Polkovic. Alors rouler un peu plus fort si on veut essayer d'être au sprint intermédiaire en première position, d'être devant et au moins avoir 2 minutes d'avance. Oh mais y a que nous qui roulons. Ah c'est oh là là. Mais là on va aller très vite. Bah non on va arrêter de rouler au moins. Ah non, 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 on arrête de rouler. On va même attaquer. Attaque de Georges Bennett. Et Clarence de plus, on va lancer une petite attaque.
Ouais, ça roule fort derrière. Oh, mi ah non, je croyais qu'il y a une petite cassure, mais non, c'est bon. On va se disputer le sprint, même si on n'est pas du tout les meilleurs. Alors, Bennett, on a 63. On va essayer un peu d'anticiper. Avec George Bennett, on a de l'accélération avec George Bennett. Et on va prendre les 20 points avec George Bennett. Oui, c'est vrai, on les a un peu bloqués, mais bon. On va rien dire, c'est bon, c'est pas grave. Dylan Groenewegen, Dylan Groenewegen qui va faire le sprint. C'est Dylan, c'est Mike Matthews qui est maillot jaune. Plus pouvoir attaquer très longtemps. C'est pour ça qu'on va lui donner le gel énergétique. Oh bah là, c'est fini. Simon Spilak? Oh, il y a Simon Spilak quand même. Chute! Chute du maillot à poids! Est-ce qu'ils vont repartir? Ils repartent. Là, on va commencer à faire notre train. Et là, Tony Martin, en fait, il y a combien de montagnes? 69? Oh, c'est bien quand même. C'est bien que Van Aert rentre. Là, maintenant, c'est Primoz Roglic de rouler fort. Et là, avec ces routes étroites, c'est très compliqué de remonter. De Van Aert, je le sens pas très bien, mais bon. Ah bah non, je le sens pas bien du tout. Non, je le sens pas bien du tout. Et là, il y a eu cassure. Et c'est toujours les mêmes qui prennent les cassures. C'est bon, on va rentrer dans ce groupe, mais avec des difficultés. Est-ce qu'on va rentrer un jour? Est-ce qu'on va rentrer un jour? Ça, ouais, c'est bon, on est rentré. Allez, Steven Kruiswijk. Faudrait qu'il remonte un peu. Et on est dans la route de Thibaut Pinot. Alexei Lutsenko qui fait un petit tempo. Un gros tempo, je veux dire.
Bilbo. Peyo Bilbo qui attaque. Attaque de Peyo Bilbo. Si, quand même. Et c'est Steven Kreuzweg qui se fait distancer. Non, on va plutôt le mettre à appliquer la stratégie. Et 22, faut pas rouler. Si on est 22, faut pas rouler. Il y a Victor Campenaerts qui peut venir rouler quand même. Il y a Elia Viviani. Elia Viviani. Ça va être très compliqué. Mais bon. On peut toujours y croire. Ah voilà, on va venir rouler à 63, calmement. Est-ce que derrière ça rentre? C'est Richie Porte qui va venir rentrer. Est-ce que c'est une bonne idée? Bob Jungels? You are one. Donc t'es sûr que tu peux pas venir? Juste dis-moi s'il te plaît. T'es sûr de chez sûr? Sûr de chez archi sûr. Le maillot jaune décroché. Ah dommage. Bah tant pis. Sinon on aurait fait un live ou une vidéo. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. T'as vu, j'ai mis une nouvelle, j'ai mis une vidéo sur sur notre chaîne YouTube. Tu l'as vu ou pas cette vidéo? Ouais, t'es sûr, oui. Tu l'as vu la vidéo ou pas que j'ai mise? Et là, est-ce qu'on serait pas les meilleurs au sprint? Est-ce qu'on serait pas les meilleurs au sprint? Eh, écoute, ou de Van Aert? Bah non, on n'est pas du tout les meilleurs. Ouf, André Amador qui a célébré alors que c'est Thibaut Pinot qui a gagné. L'intelligence artificielle, voilà, c'est comme ça. Ah non, ils peuvent pas finir à deux. Oh non. Écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine. C'était le gaming pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.